Re-coucou, donc je reviens pour une deuxième vidéo, cette fois-ci sur la Birchbox, donc du mois de septembre 2013. J'avais envie de vous faire une entrée, genre comme les Américaines. Hi guys! Ça me fait rire quand je regarde les vidéos. Enfin bref. Donc nous allons faire la découverte de la Birchbox ensemble. Je vais piocher comme d'habitude les petits produits. Donc voyons voir. Le premier qui je pioche. De la rhum, donc déjà eu comme marque. Masque aquaconfort à l'extrait de grenade toute peau. Bon, un petit masque, pourquoi pas. Bois toujours aussi mal avec mon ordi. Donc pourquoi pas, ouais, un masque. Ça me servira toujours, j'en fais de temps en temps. J'en fais une fois par semaine, en général le dimanche, c'est le jour où je fais des masques. Donc un masque. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le pinceau qu'il vous faut. Alors, c'est sûrement un pinceau. Voyons voir. De la marque Birchbox. Je pense que c'est un bon pinceau pour les yeux. Donc un pinceau, on n'en a jamais assez. Donc ça, c'est un cadeau. Au moins, c'est un. Ça, je pense que c'est le goodies. Au moins le goodies me fait plaisir, puisque ça c'est quelque chose dont je vais sûrement me servir. Les pinceaux, on n'en a jamais assez et ça coûte assez cher. Donc un pinceau. Pour l'instant ça va, un masque, un pinceau, rien à dire. Deuxièmement, ah, encore. Shampoing Baptiste Blush. Ils ont de la chance, c'est celui que j'aime bien, c'est celui qui sent les fleurs. Ouais, sauf que le mois dernier, je crois que j'en ai déjà reçu un. Donc j'ai envie de dire, vous allez m'envoyer toute la collection shampoing sec, je les aime bien, mais voilà quoi. Variez un peu vos produits. Donc encore un shampoing sec Baptiste. Ensuite, bébé crème Herborian. Crème de teint, soin, transparence, effet peau de bébé. Herborian. Est-ce que j'ai pas déjà reçu quelque chose comme ça? Je sais plus si c'était de cette marque-là, peut-être pas. Bébé crème light. Ça veut dire quoi? C'est light au niveau de la couleur ou c'est. Non, la couleur, ça part. Oups! Je m'en suis fichu partout. Voyons voir la couleur. Non, la couleur, c'est bon, ça s'adapte. Ça se fond dans la peau. Ça doit pas être la même marque parce que j'en ai une que j'utilise pas du tout, que j'avais reçue de bébé crème. Parce que Herborion, tout le monde sait que c'est une bonne marque. Une bébé crème. On verra, il faudrait que j'essaye ça. Bébé crème Herborion. Pour l'instant, ça va, c'est des bonnes marques. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? De la marque Milu. Milou, je sais pas. Milu, Milou. Gommage ultra adoucissant pour le corps. Un gommage. Ça, j'aime bien parce que j'en ai pas beaucoup des gommages. Donc, c'est vraiment le truc. On peut m'en envoyer plein, il n'y a aucun souci. Ça s'utilise très vite. Là, le pot est pas très gros, mais bon. Je voudrais savoir ce que ça sent. C'est marron, la consistance. Il y a un peu d'huile. Ça sent pas très très bon. Ça sent. Apparemment, c'est un produit australien. Ça sent des plantes, quoi. L'odeur que j'aime pas forcément. Ils disent quoi? Tradition baltique, vitamine, du bourbon, de l'alcool en fait dedans. Enfin bon bref, on essaiera un gommage pour le corps hein, de cette marque là, Milou. Pas grand chose comme d'habitude. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits. Je pense que c'est tout à mon avis. Il reste quoi? Ah si, il y a encore Party Proof Matte Lipstick. La couleur est sympa.
Non, la couleur est très sympa. C'est un corail en fait. C'est Disco Fever, la couleur. C'est un corail rose. J'aime beaucoup cette couleur en fait. Je sais pas si vous verrez. Ça fait orange à la caméra, mais en fait, c'est pas aussi orange que ça. C'est plus. C'est un vrai corail. Il sent bon en plus. Il sent la fraise, je trouve. Ça sent bon. Un rouge à lèvres. Et on a un échantillon de CC Crème cette fois. HD. CC Crème HD, je verrai ce que ça donne. Et c'est écrit quoi? Bon d'achat de 20 euros sur mon showroom. J'achète pas sur ce site-là. Mais alors, en conclusion, je dirais que la Birchbox de ce mois-ci me plaît quand même beaucoup plus que la Glossy. Donc, mis à part l'échantillon, là. Donc, une BB Crème de la marque Herborian, qui est une très bonne crème, une très bonne marque et qui était assez connue. Un gommage pour le corps australien. Bon, ça sent pas très bon, mais on verra bien si c'est efficace. Un pinceau, on s'en sert toujours. Un shampoing sec, même si c'est le énième qui nous envoie, je m'en servirai parce que je m'en sers assez souvent. Et c'est l'odeur que j'aime. Un rouge à lèvres qui, ma foi, a une super jolie couleur, très estivale, mais moi je m'en fous, des saisons. Je mets les rouges à lèvres que je veux, n'importe quelle saison. Que ce soit en hiver, je peux mettre du corail. Au printemps, en automne, je m'en tape. Et ensuite, un masque. Donc ça, je m'en sers. Franchement, la Birchbox me plaît beaucoup plus que la Glossy au niveau des marques, au niveau des produits qu'ils présentent. Je suis très satisfaite de cette Birchbox, je vais y arriver, du mois de septembre. Donc, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo haul, mon haul à Toronto. Gros bisous!